Alors avant, je voulais travailler dans le social, je voulais faire éducatrice spécialisée. Donc j'ai commencé, donc en sortant du lycée après un bac littéraire, j'ai été en fac de sciences sanitaires et sociales et en lettres. Parce que mes parents voulaient absolument que je fasse quelque chose dans l'immédiat, donc j'ai pas vraiment choisi ce parcours. Et après j'ai fait un CAP petite enfance que j'ai très vite arrêté quand le théâtre est entré dans ma vie. Du coup, j'ai voulu expérimenter ça après avoir eu la chance de connaître le théâtre de la Colline, de voir comment ça fonctionnait un théâtre public, de rencontrer des comédiens, des metteurs en scène. Et au fur et à mesure, j'ai voulu franchir le cap et donc d'être moi aussi sur un plateau. Le théâtre, ça a bouleversé ma vie au point que moi, c'est la raison qui me pousse à me lever tous les matins. Il n'y en a pas d'autre. Ça peut sembler un peu facile de dire ça, mais le théâtre m'a apporté tout, tout simplement. Ce que j'aime à la manufacture, déjà, c'est la pluralité des enseignements. La danse, on a eu la chance de faire, d'expérimenter le combat scénique. Mais aussi, j'aime le professionnalisme des professeurs, mais en même temps, la confiance qu'ils peuvent nous apporter. Je trouve ça très valorisant. Et aussi, le fait que ce soit une école à taille humaine. Un conseil, c'est tout simplement que si vous avez vraiment la passion du théâtre et que si vous voulez vraiment apprendre énormément de choses et être dans une troupe soudée, mais à la fois aussi professionnelle, allez-y, venez ici, foncez.